Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Pokéstorm et on se aujourd'hui pour un tout nouveau top, ça faisait très longtemps. Bon, entre nous, n'avez-vous pas déjà rêvé de pouvoir créer vous-même votre propre jeu Pokémon? Mais je veux dire de A à Z, créer votre propre map, vos propres personnages, mais surtout vos propres Pokémon. Personnellement, j'ai toujours kiffé faire ça, d'ailleurs pour la petite anecdote, à l'époque je prenais les figurines Mario qui n'avaient aucun rapport avec Pokémon et je faisais genre qu'elles avaient des attaques Pokémon et je les faisais se combattre entre elles. Enfin bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de moi, mais pour parler de 5 animaux qui pourraient bien devenir des Pokémon. Parce qu'alors oui, on est d'accord, un Pokémon ça peut être un animal qui existe dans la vraie vie, mais ça peut être aussi un objet ou toute autre chose, une légende, tout ça, tout ça. Mais moi aujourd'hui j'ai voulu vraiment me baser sur des animaux qui existent vraiment et qui pourraient vraiment être convertis entre guillemets en Pokémon. Vous allez vite comprendre, voici mon petit top 5, c'est parti. Numéro 5, le Blobfish. Bon, commençons pour une idée potentielle pour son nom. J'ai pensé à Slimish. Alors, voyez ça comme vous voulez, ça peut être son nom anglais ou français. Ça fait pour le coup très anglais là actuellement, mais bon, c'est vous qui voyez. Slimish qui serait donc tiré de slime, parce que ça rappellerait son côté visqueux et son côté un peu gluant. Enfin, du moins, c'est ce qu'il a l'air de montrer. Et Ish pour fish, bien entendu, puisque c'est pas réellement un poisson, mais vous m'avez compris. Selon moi, il serait de type ténèbres et eau. Parce que, ben, eau forcément parce qu'il vit dans l'eau, et ténèbres parce que c'est un Pokémon qui vient clairement des abysses. Et il fait si sombre, si noir dans les abysses que pour moi le type ténèbres lui irait totalement. Et puis bon, t'as vu sa gueule, je pense que ténèbres, il n'y a pas mieux. Bien, voyons voir maintenant un petit peu ses caractéristiques. J'ai essayé de reproduire un petit peu une sorte de définition que les Pokédex donnent pour chacun des Pokémon. Il ne peut être trouvé que dans les profondeurs océaniques. Il se nourrit des déjections des différents Pokémon passant au-dessus de lui. On raconte que c'est grâce à ce Pokémon que la vie dans les abysses est encore possible pour certaines espèces. On est d'accord, c'est pas le genre de Pokémon que t'as forcément envie d'avoir dans ton équipe, le truc bouffe de la merde, hein, littéralement. Mais bon, que voulez-vous, il faut tout, même dans un monde Pokémon. Bon, entre nous, mon avis, c'est que des Pokémon dégueux, on y a droit assez souvent dans Pokémon, hein, je pense qu'on a pu le voir avec, par exemple, Golgopath ou encore Grotanemorv, ou bien sûr, Miasmax. Mais celui-ci serait vraiment salace pour le coup, et clairement, en combat, ce serait le genre de Pokémon hyper toxique. Numéro 4, la gazelle. Bon, je sais, c'est pas l'animal le plus original du monde, mais je me disais, on a beaucoup de bêtes à cornes sur Pokémon, mais est-ce qu'on a des gazelles? Bon, en vrai, je me suis pas dit ça comme ça, mais c'est à peu près comme ça que ça m'est venu à l'esprit. Et puis, je me suis rendu compte que non, on a des cerfs, on a des rennes, on a plein de trucs, mais on n'a pas de gazelles. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas mettre une gazelle? Ah oui, avant que les rageux me sautent dessus, je sais que des rennes et des cerfs, c'est des bouacs, et pas des cornes qu'ils ont. Merci. Bon, pour cette gazelle, j'avais pensé au potentiel nom de Gahorn. Alors là, vous allez me dire, mais... Ok, d'où ça t'est venu, je vous explique. Ga, ce serait pour gazelle, bien entendu. Et horn, ce serait pour horn, qui signifie justement corne en anglais. Parce que oui, sachez-le ou non, l'étymologie des Pokémon françaises, ben, est souvent quand même tirée de mots anglais. Il serait de type normal fée, et pour comprendre pourquoi, je vous laisse écouter la description du Pokédex de ce Pokémon. Ce Pokémon, à l'apparence féerique, n'est trouvable que dans les lieux reculés de la savane. Il est rare de les apercevoir. Ce sont des Pokémon solitaires et herbivores. On raconte que s'ils sont si rares aujourd'hui, c'est surtout à cause de l'afflux de Nemelios dans la savane. Mais aussi à cause de son pelage unique et soyeux, très recherché par l'homme. Bon, t'as capté, si les types fées, c'est parce que justement j'ai voulu donner à cette gazelle un côté un peu, bah, féerique justement, avec un beau pelage bien doux, magnifique. Bon, mon avis, c'est que si ce Pokémon existait réellement, ce serait le genre de Pokémon qui n'aurait sûrement pas un niveau incroyable, bah un peu comme Seraphine par exemple. Mais que voulez-vous, il en faut bien aussi, si on avait que des Pokémon pétés dans Pokémon, bah ce serait pas marrant. Mais personnellement, s'il existait, je pense que ce serait vraiment un Pokémon magnifique. Numéro 3, la crevette menthe religieuse. Bon, ok, déjà t'entends le nom de cette chose, tu te dis, non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben, ça ressemble à ça. Bon, pour cette magnifique petite bébête, j'ai trouvé le fameux nom de Shrimbo. Bon, là pour le coup, c'est totalement un nom anglais. Hein. Bon, je vous explique de quoi je me suis inspiré. De Shrimp, qui veut dire crevette en anglais, et de Rainbow, qui veut dire arc-en-ciel en anglais, vu que, on va pas se mentir, elle a des couleurs assez incroyables, cette crevette. Je trouve que le double type eau insecte lui serait parfaitement attribuable. Et maintenant, je vous laisse écouter un petit peu sa description du Pokédex. Ce Pokémon passe sa vie à utiliser l'art du camouflage. Sa couleur arc-en-ciel n'est là que pour la séduction. Lorsqu'il chasse, Shrimbo se camoufle à la couleur du sable, s'enfuit en partie dedans, et attend que des petites proies telles que de jeunes froussardines ou encore des crabis avec une carapace encore très molle surgissent pour les manger. Bah ouais, je suis désolé, ça finit toujours comme ça, mais en même temps, les bébêtes qui sont petites, mignonnes et très belles, elles sont généralement aussi très dangereuses. Je pense que c'est pas la première fois que vous voyez ça. Bon, pour mon avis, entre nous, cet animal est juste magnifique. En faire un Pokémon, ce serait juste ouf. J'ose même pas imaginer comment il serait en chaîne. C'est le genre de Pokémon qui, dans un jeu Pokémon,
pourrait surgir du sable quand tu marches sur des endroits spécifiques, à l'image des Staryu et des Bakabou sur la plage Anoano dans Pokémon Soleil et Lune. Très honnêtement, s'il existait, je l'aurais carrément pris dans mon équipe. Numéro 2, le Glaucus Atlanticus. Bon, on est sur un nom qui pète un peu plus. Bon, ça en vrai, c'est juste parce qu'il y a les racines latines. Hein, parce que sinon, en français, on l'appelle le Glauque Atlantique. Ce qui est moins ouf. On va toujours l'appeler le Glaucus Atlanticus. Mieux encore, je vous propose son nom, s'il existait en tant que Pokémon, j'ai nommé Modragua. Qui viendrait de Mollusque, en français, de Dragon, en français toujours, et de Agua, eau en espagnol. Ce magnifique Pokémon serait de type eau dragon. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai découvert cet animal en faisant mes recherches et il est juste magnifique. Je vous laisse maintenant écouter sa petite description du Pokédex. Ils ne peuvent vivre que dans des lieux très humides avec de grands marais. Très urticants et toxico-touchés, rares sont les prédateurs présents pour les empêcher de proliférer, hormis les tritondes. Nombreux sont les hommes qui ont tenté de le capturer pour sa beauté incroyable, mais qui ont perdu la vie tant la toxine est puissante. Ah, je suis désolé, c'est plus fort que moi, j'ai encore créé un Pokémon qui est totalement dévastateur. Mais que voulez-vous, il en faut bien aussi. Bon, entre nous, mon avis, c'est clairement le genre de Pokémon qui serait très très rare à trouver vu la puissance qu'il pourrait avoir. De plus, il pourrait clairement évoluer. Après, étant donné qu'il est très toxique et urticant, ça doit pas être facile d'en avoir un dans son équipe. Ce sera un Pokémon que l'on pourrait trouver en surfant dans de grands marais, puisqu'il semble se déplacer à la manière d'une araignée d'eau. Étant donné qu'il est toxique et urticant au toucher, je pense que c'est le genre de Pokémon, s'il existait, il aurait très clairement le talent point poison, ou encore statique. Heureusement, tu sais pas comment, mais malgré les caractéristiques des différents Pokémon, un peu comme Volcaropod qui est 10 fois plus chaud que le soleil, l'humain réussit toujours à survivre à côté de ses petites bébêtes. Numéro 1, la vipère des buissons. Quand t'entends le nom de cet animal, tu te dis, est-ce que je dois avoir peur ou pas? Il y a le mot vipère tout de suite, c'est un serpent, ça fait un peu peur, et puis derrière, il y a des buissons. Et là, tu te dis, c'est un troll. Et je vous assure qu'il rigole pas. Mais commençons déjà par son nom. J'ai pensé à Viscon, ou Viscon, tu le prononces comme tu veux. Son nom viendrait de vipère en français, de scales, qui signifie écaille en anglais, et de poison, bien entendu. Ce Pokémon serait de type sol combat. Et si je vous disais qu'il fait peur, c'est parce que maintenant, je pense que vous devriez écouter sa définition au Pokédex. Trouvable uniquement dans les déserts arides, mieux vaut ne pas marcher dessus par cause d'inattention. Ce Pokémon possède des écailles movibles, pouvant se dresser à la verticale. Elles sont si tranchantes qu'elles traverseraient n'importe quelle semelle. Étant un serpent non venimeux, il tue ses proies comme les mascaïmans, un peu trop audacieux qui tenteraient de s'attaquer à lui, avec ses écailles tranchantes, et laisse sa proie se vider dans son sang avant de manger. Sympa comme Pokémon, n'est-ce pas? Bon, vous noterez que j'ai fait beaucoup de Pokémon très peu mignons dans ce top, mais je sais pas, je dois avoir un côté un peu psychopathe. Bon, mon avis là-dessus, c'est que si ce Pokémon existait, il serait sûrement un très très bon Pokémon, offensivement et défensivement, grâce à ses écailles, c'est clair. Cependant, faut bien lui trouver un défaut, donc je pense qu'il serait pas très rapide. Perso, j'aimerais pas être le Pokémon à qui il s'en prend. Imaginez-le s'entourer autour de vous et vous planter comme des centaines de couteaux dans le corps, en attendant que vous vous vidiez de votre sang. J'avoue, ça donne pas envie. Et voilà, c'en est fini pour ce top 5. Quel a été votre Pokémon préféré? Dites-le moi dans les commentaires, et proposez-moi aussi des animaux que vous penseriez qui pourraient se transformer en Pokémon plus tard. Croyez-moi, il y en a plein. Sur ce, moi je vous laisse. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like, ou encore de vous abonner si vraiment vous avez envie de voir la suite sur cette chaîne. Et puis sur ce, moi je vous dis comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous comme d'habitude, bye tout le monde.